Le texte. C'est un grand mystère, le texte, l'écrit. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que les gens comprennent ce qui est écrit dans les textes? Et je suis de plus en plus sceptique à ce sujet. Je crois que rares sont les personnes qui sont capables de comprendre les textes pour ce qu'ils veulent dire, au lieu de s'en servir pour dire ce qu'ils ont envie de dire, pour faire passer les messages, on peut dire, relationnels qu'ils veulent bien faire passer. Donc il y a une instrumentalisation du texte, ce qui veut dire dans mon langage qu'on fait dire au texte ce qu'on veut, et qu'on ne comprend pas le texte pour ce qu'il a à dire de lui-même, par lui-même, en lui-même. Le texte est finalement aussi obscur que le ciel. On regarde le ciel, on regarde les textes, ce sont des signes. Ce sont des signes, et des signes qu'on ne comprend pas, et qui ne font sens que par ce qu'on projette sur eux. Alors, jusqu'à présent, on disait ça en ce qui concerne les signes célestes, mais on peut dire ça aussi bien des signes terrestres, c'est-à-dire des signes que les hommes véhiculent. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs. Souvent, on ne comprend le texte que au prisme du ton de la voix, au prisme de l'allure de la personne qui les présente. Qui les récite, son habillement, son apparence, tout cela va nous faire passer le texte en fait compte, qui ne devient plus qu'un moyen pour atteindre une fin qui est oui, voilà ce que j'ai envie de vous dire, mais le texte devient quelque chose de très manichéen. Est-ce que le texte est favorable ou pas favorable? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? C'est tout ce qu'on sait. C'est comme pour les films, est-ce que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas? Je veux dire que dans le domaine de la culture, on est dans une sorte de simplisme effarant. C'est bon ou c'est mauvais, c'est sympathique, c'est antipathique. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Et finalement, c'est tout seul la seule question que les gens. C'est ce que j'appelle un problème cognitif. La plupart des. Nous sommes des êtres extrêmement simples, beaucoup plus simples qu'on le croit. Et nous ne nous compliquons la vie que parce que nous produisons des signifiants auxquels nous voulons donner du sens et que nous voulons donner à chaque signifiant un sens spécifique. Et par conséquent, on construit une véritable usine à gaz, mais en réalité, notre mode de fonctionnement mental est extrêmement simple. Il y a une disproportion effrayante entre la complexité des signifiants, la complexité des mots, du vocabulaire, et la simplicité du message tel qu'il est perçu et tel qu'on a envie de le percevoir. Pour la plupart des gens, le seul enjeu, c'est effectivement, est-ce que la personne qui utilise ce texte est bien ou mal disposée à mon égard? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Est-ce qu'elle est favorable ou défavorable? On s'interroge sur le sujet. L'objet texte serait censé nous interroger sur le sujet qui utilise le texte, qui présente le texte. Cela dit, il y a des gens, et je me flatte d'en faire partie, qui sont capables de comprendre la signification proprement dite du texte, et qui ne se contentent pas
peut s'en servir pour dire des choses, pour faire passer un message. Et c'est vrai aussi pour la musique, d'une certaine manière. Au fond, voilà, les gens ont besoin de s'exprimer. Ils se servent du texte comme un prétexte, en fait, compte. Ils ont besoin de s'exprimer, d'exprimer des sentiments très, très, très simples, encore une fois, d'amour ou de haine, de bonheur ou de malheur. Va pas très loin. L'humanité n'a pas une pensée extrêmement élaborée. Même dans le domaine de la psychologie, on pourrait résumer les phases par A et B, par un plus et un moins. Tout le reste, c'est du verbiage. En astrologie, les 12 signes, les 7 planètes, les 10 planètes, tout ça, c'est du verbiage. En réalité, ça se réduit à très très peu de choses. On dit des choses, les mêmes choses avec des mots différents, c'est tout. J'ai toujours pensé qu'au niveau cognitif, nous étions très limités. Donc finalement, le texte est un mirage qui permet, comment dirais-je, qui permet de faire passer certaines choses, du visuel vers le sonore, vers l'auditif, vers l'oral. Mais bon, ça permet de communiquer entre des mondes qui n'ont pas les mêmes repères, qui n'ont pas les mêmes perceptions. C'est tout. Ça va pas beaucoup plus loin. Et cependant, l'historien, lui, peut appréhender le texte et l'appréhender dans sa structure, dans sa cohérence. C'est pas forcément très très compliqué non plus, d'ailleurs. Montrer qu'un texte est déséquilibré, qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque une jambe, si on peut dire. Peut le faire, on peut le montrer. C'est pas très compliqué. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette acuité pour autant. Face à un texte, les gens ne le voient pas, ce texte. Ils n'en perçoivent pas la cohérence ou l'incohérence. Ils n'en perçoivent pas les contradictions. Et ça ne les intéresse pas, surtout. Ce qu'ils veulent, c'est simplement, dire quelque chose. C'est surtout le monde de la caverne qui est comme ça. Il faut dire quelque chose. La langue n'a pas d'importance, ça peut être dans une autre langue. C'est le ton de la voix. C'est ça qui nourrit les gens de la caverne. La vibration sonore. Alors, les gens qui sont en dehors de la caverne, ils s'expriment aussi. Et c'est également très simpliste. Par des mous, par des sourires, par des froncements de sourcils, par des grimaces, par des gestes. Voilà comment ils s'expriment. Et tout à l'heure, j'étais à un concert à l'église Notre-Dame du Liban. Et je me suis dit à un moment donné, mais au fond, moi, j'aime voir des orchestres. Maintenant, ce que dit la musique qui est jouée n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que cette musique fait que les membres de l'orchestre vont avoir des mouvements, vont avoir une gestuelle, vont avoir une forme de chorégraphie. Et tous ces violons qu'ils jouent, tous ces violoncelles, tous ces archets, tous ces vents, tous ces cuivres, etc. En fin de compte, c'est le spectacle qui est important. C'est aussi le spectacle du chef d'orchestre qui fait des mouvements. Mais on pourrait tout à fait couper le son et le spectacle serait là. Évidemment, on ne peut pas le faire dans une salle de concert.
Mais une fois qu'on a filmé l'orchestre, on peut couper le son et voir les gens comme ça s'exciter sur leur archet, sur leur flûte, sur leur hautbois, sur leur cor, sur leur trompette. Et c'est un spectacle en lui-même. On pourrait très bien imaginer des concerts muets. C'est-à-dire qu'ils seraient. Évidemment, bah, les gens vont pas. Les gens qui jouent, ils jouent, ils sont obligés de faire du bruit. Donc, ils pourraient encore faire semblant à la limite. Pourquoi pas? Enfin, on pourrait se poser la question. Est-ce que c'est important ce que les gens jouent? Ou est-ce que c'est important, c'est qu'ils aient quelque chose à jouer? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que ces textes, parce que quand même, quelque part, les concerts sont bâtis autour de textes. Ces textes, quelle importance ont-ils en fait? Pas si grande que ça. Ils sont un prétexte à ce qu'un orchestre s'anime, s'agite, fasse des gestes, fasse des bruits, fasse une dynamique, une cinétique. Est-ce que ça va plus loin que ça? Une question qui se pose. Donc finalement, pour conclure, dans bien des cas, ici en l'occurrence, dans le cas de l'orchestre, pour les hommes qui sont en dehors de la caverne, le son n'a pas beaucoup d'importance. Son n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est la gestuelle, c'est le mouvement des corps. Qu'il s'agisse d'un orchestre, ou qu'il s'agisse d'un discours, ou qu'il s'agisse d'un orateur, ou qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre. C'est pas pour rien que pendant plus de 30 ans, on est allé voir le cinéma muet. Parce que les gens se nourrissent du spectacle, du mouvement. Tout comme, donc ça c'est en dehors de la caverne, le mouvement est important. Et à l'intérieur de la caverne, ce qui est important, c'est la vibration sonore. Il y a une dialectique entre mouvement et vibration, selon qu'on est hors de la caverne ou à l'intérieur de la caverne. Maintenant, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que finalement, les textes qui sont produits sont instrumentalisés pour simplement produire du son, produire du mouvement.